Bon, il faut absolument que vous perdiez cette habitude qui consiste à applaudir deux personnes que vous ne connaissez pas du tout. Parce que vous pourriez avoir à le regretter à la fin du spectacle. Vous comprenez, vous vous engagez là dans un plaisir qui n'est absolument pas du tout gagné. D'autant que j'ai une supériorité évidente par rapport à vous, messieurs, dames, vulgaires spectateurs, n'est-ce pas ? C'est que c'est moi qui ai le micro. Et que je fais... Ce fut l'explosion. Sur le papier, ça n'aura peut-être pas l'air de grand-chose. D'ailleurs, nous marchions tous ensemble en jouant ce vieil air pompier, notre directeur, et le professeur s'était arrêté pour parler aux gardiens tandis que nous poursuivions notre marche à travers l'île. Comme entre-temps, j'avais été mis à la tête de l'orchestre, je prends donc le commandement. Nous passons devant la centrale électrique. La joie et la vie par ma clarinette. Et le type derrière moi qui martelait sauvagement sa caisse, c'était un concentré de Tubby Hall, Baby Dodds et Sooty Singleton, tandis que la trompette qui jouait cette mélodieuse partie de cache-cache avec ma clarinette, c'était King Oliver et Tommy Lanier parfaitement, et Louis aussi, le seul, Pops, l'unique, le plus grand de tous. On était en plein carnaval, on menait la grande parade sur des airs comme High Society, When the Saints Go Marching In, We Should Walk Through the Streets of the... Thank you.